Pas du tout. Mais j'ai jamais fait ça, non. Moi non. Enfin, moi si, je fais ça, ouais. Ouais, le jeu Rising Star. Il y a des chanteurs et il faut voter pour ce qu'on préfère. On voit notre petite photo là. À la TV, si... Même son âge. Voilà. Moi, The Voice. Mais ça, ça pige jamais. Quand on était plus jeune, peut-être. Je sais pas, par exemple, Secret Story. Sur Twitter. Moi, j'ai jamais fait ça. Je commande jamais ce que je regarde sur un réseau social. Non, je commande jamais, ça m'arrive jamais. Je préfère regarder et rigoler des gens que... aller commenter. Pas du tout. Mon utilisation des réseaux sociaux est vraiment très faible. Moi, j'habite au Luxembourg, j'ai essayé plusieurs fois, mais c'est toujours... ça marche jamais. Moi, non, jamais, parce que déjà, à la base, je mets presque jamais rien sur les réseaux sociaux. Donc. Si je revois une nouvelle série quoi qui est sortie, moi-même, si je trouve qu'elle est bien, ben, je vais pas le dire par réseaux sociaux. Le lendemain, je vais dire à mon ami ou quoi, ben, il regarde, t'as vu la série. Non. Moi, oui, sur Facebook, quand je regarde un film ou quoi, je commente bien souvent... Si j'ai aimé, ouais. Non, jamais. On a déjà ce principe pour plus les jeux vidéo, on va dire pour nous, que c'est le Twitch, donc c'est en direct et la personne nous parle et on interagit avec. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on a l'interaction avec la personne. Et si par exemple il fait une action dans le jeu ou donc il fait une action de travers et que nous on le voit, on peut lui l'informer alors qu'il aurait été en vidéo, c'est filmé, c'est enregistré, c'est déjà trop tard. Bah, les émissions de télé-réalité, exemple les Marseillais, etc. Ou Secret Story. Bah moi aussi, mais aussi des sites exprès pour les séries là. Moi je vais là-dessus. Ouais, genre The Voice, des trucs comme ça. Au 58. Juste pour voir son nom à la télé en fait.